He's still alive. The baby. Time to go. Mesdames et messieurs, vous avez en face de vous certainement le plus gros point fort de ce Metroid Other M, alias les cinématiques. Les cinématiques sont vraiment magnifiques. Bien le bonjour tout le monde, salut les gars, ici 69 Zelos, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Un nouveau test. Alors, test rétro ou pas, je ne sais pas. En tout cas, un test un peu spécial. Cela ne va pas uniquement être un test à proprement parler, où je ne vais que vous parler du jeu, mais bien une espèce de vidéo test réponse à la majorité entre guillemets, puisque comme vous pouvez le voir aujourd'hui, on s'attarde sur Metroid Other M, jeu sorti début septembre 2010, édité par Nintendo, développé par la Team Ninja. Et ô combien détesté ce Metroid Other M, c'est quand même assez affolant de voir une telle haine envers ce jeu. Je me devais de faire ce test là, mais pas en premier lieu parce que ça... Honnêtement, je voulais vous faire le test dès sa sortie. Dès la sortie de ce jeu. Enfin, pas dès sa sortie, parce que je crois pas que j'avais commencé les vidéos à ce moment-là, mais ça faisait partie des jeux auxquels j'avais envie de parler dès le départ. Puis au final, J'ai pas voulu, parce que la haine était quand même assez violente sur ce jeu. Si, c'est la haine, comme Dieudo. Enfin... C'est vrai que ce jeu s'est fait pourrir dans tous les sens. Et au final, moi, qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que j'en pense de ce Metroid Other M? Eh ben, comme je vous l'ai dit... Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo sur Morrowind, il y a un test que je suis en train de préparer, donc celui que je vous présente actuellement, dans lequel je vais me faire l'avocat du diable. Et je pense que c'est ce que je vais faire pour ce Metroid Other M. Parce que figurez-vous que moi j'ai bien aimé ce jeu. Et pourtant, je suis un très gros fan de la série des Metroid. Surtout des Metroid Prime. Parce que c'est... Techniquement, c'est le jeu avec... c'est la série avec laquelle j'ai découvert la série des Metroid. Je m'y suis intéressé un petit peu après. D'ailleurs, c'est bizarre, mais on regardait un de mes jeux préférés sur Super Nintendo. C'est Super Metroid. Et pourtant, je l'ai découvert assez tard. C'est pas mon jeu préféré sur Super NES, mais il est quand même assez haut.
parce que c'est un jeu qui est excellentissime, révolutionnaire entre guillemets. La série Metroid est une série apporteuse d'un nouveau genre. Je sais pas si ça se dit, mais je m'en fous, vous avez compris. Donc pour le coup, ben déjà en premier lieu, moi je n'attendais pas vraiment ce Metroid Other M. On est en 2010, je crois même pas 2 ans après la sortie de Metroid Prime 3 Corruption. Personnellement, je sors d'un Metroid Prime 3, non pas qui m'a déçu, mais qui m'a vraiment laissé sur ma faim. J'avais une espèce d'impression de gâchis. Ça, peut-être qu'on y reviendra quand on fera la review de Metroid Prime Corruption. Mais donc du coup, je me renseigne quand même, parce que comme je vous ai dit, Metroid c'est une série que j'adore, elle fait partie de mes séries préférées du jeu vidéo, elle est tout en haut, elle est dans le top 5, peut-être même dans le top 3, pour tout vous dire, de mes séries préférées, toutes générations confondues. Donc du coup, par principe, je me suis renseigné. Donc ça allait être développé par la Team Ninja, ça allait être un jeu qui allait tenter de faire plaisir aux joueurs ayant aimé le système de jeu 2D, autrement dit à l'ancienne, comme Super Metroid, Metroid, Metroid 2, ou alors les Metroid sortis sur console portable, alias les Metroid Fusion, etc., etc. Donc du coup c'était quand même un pari assez risqué, déjà pour une chose, parce que si jamais c'est mal fait, ça va décevoir. Non seulement si le jeu est injouable à cause de ça, ça va décevoir les joueurs, mais si jamais les fans purs et durs de la première génération des jeux Metroid, si jamais ils ne se retrouvent pas dans le gameplay, ils vont détester, à tous les coups. Et en même temps, la Team Ninja a eu les yeux plus gros que le ventre en nous vendant un jeu qui pouvait à la fois satisfaire les fans des jeux des Metroid en 2D et également les fans des Metroid en 3D, à savoir les Metroid Prime, etc., etc. Du coup, ce Metroid Other M est sorti, j'y ai joué, et ben, comme je vous l'ai dit, moi j'ai apprécié, j'ai vraiment apprécié. C'est clairement pas le Metroid que je préfère de la série. Même pour tout vous dire, il est très loin du top. Mais par contre, j'ai apprécié. Je ne peux pas vous dire que ce jeu est une bouse. Pour tout vous dire, ce n'est pas vrai. Je trouve que c'est totalement faux de dire que c'est une bouse. C'est faire preuve de mauvaise foi ou de fanboyisme total. Cependant, c'est vrai qu'il a de très gros défauts. Et ça va être le but de la deuxième partie de la vidéo. En premier lieu, ce que je vais vous dire, c'est vous dire uniquement mon ressentiment sur ce jeu. Ce que j'en ai pensé, en quoi consiste ce jeu, bref, un test classique. Une partie qui ne va pas vraiment durer très très longtemps. Par contre, comme je vous l'ai dit, le but principal de cette vidéo, c'est avant tout de faire une vidéo réponse à toutes les personnes qui te pourrissent le jeu comme c'est pas permis. Je veux bien comprendre qu'on ne l'ait pas aimé, mais de là à dire que c'est une bouse infâme, franchement, quand on voit les jeux qui sortent de nos jours, quand on voit les jeux qui sont sortis à côté, qui sont censés être des gros blockbusters et qui au final, le résultat est vraiment très très moyen, je trouve qu'on a été vachement, vachement méchant avec Metroid Other M. Donc, la deuxième partie, ça va compléter la deuxième partie, parce que je vais également dire certaines choses, parce que moi aussi, mine de rien, il y a des aspects de ce Metroid Other M qui m'ont déplu, qui m'ont vraiment déplu, d'autres choses qui, pour moi, auraient dû être améliorées, mais par contre, je vais quand même défendre certains points qui se doivent d'être défendus, parce que pour tout vous dire, je trouve que ce Metroid Other M est un Metroid différent, un Metroid audacieux. Ça peut peut-être vous faire vous vriller vos tympans, mais j'ai envie de vous dire, objection votre honneur, les gars qui ont développé ce jeu, alias la Team Ninja, sont vraiment des fans, des passionnés, et ont essayé
Peut-être qu'ils ont eu les yeux plus gros que le ventre, c'est vrai. Mais ils ont essayé et je trouve que au moins on peut leur accorder ce crédit-là. Parce que le jeu n'est pas une bouse infâme. Alors, la première, peut-être que au final, là je vous le dis, hein, je le fais un petit peu en freestyle, même si on est en off, je vous fais un petit peu en freestyle, mais peut-être que au final, les choses que l'on reproche à ce Metroid Other M, peut-être que ça va être le fil conducteur, voilà, de cette review. Ça va être tourné comme ça. Ça va être le fil conducteur de cette review. Certains, parce que franchement, ce Metroid Other M se fait descendre dans tous ses aspects. Tous. Sans exception. Il y a quasiment... À chaque fois que tu vois certaines personnes parler de ce Metroid Other M, c'est une bouse infâme, au bûcher, c'est une trahison à la série. Déjà, ceux qui pensent que ce Metroid Other M est une trahison à la série, est-ce que vous connaissez vraiment cette série ? Franchement, c'est une question que je me pose. Est-ce que vous connaissez vraiment cette série ? Parce que quand tu vois le nombre de clins d'œil, le nombre d'événements qui sont là uniquement pour le fan service, qui te montrent quand même que les développeurs savaient de quoi il en coûtait, ils savaient sur quoi est-ce qu'ils travaillaient. Ils n'ont pas voulu juste faire un jeu comme un petit pognon, comme Activision fucking pognon. Autrement dit, juste se reposer, sur la fanbase et puis faire leur jeu de leur côté. Non. La Team Ninja, c'est vraiment pas ça. Quand tu vois certaines cinématiques, certains ennemis, certaines musiques, quand tu vois sérieusement le boulot qui a été fait, tu peux pas dire que ce sont des incompétents et que le jeu est une gigabouze. Déjà, en premier lieu, pour le gameplay. Ça, c'est la chose qui a le plus choqué. Et je peux le comprendre, effectivement, parce que dans ce style de gameplay, soit ça passe, soit ça casse. Malheureusement. Alors, je vais m'expliquer. C'est bien simple. La Team Ninja est arrivée avec ce Metroid Other M avec pour but d'utiliser uniquement la Wiimote et de vous proposer un jeu qui allie à la fois la vision à la première personne, mais également la vision à la troisième personne. Autrement dit, des phases en deux dimensions 3D et des phases en vue de première personne. Malheureusement, comme vous savez certainement à quoi ressemble une Wiimote. La Wiimote a un gros défaut, pour ma part, hein, mais à mon avis c'est confirmé par tout le monde, son manque de boutons. Voilà, il n'y a pas, pour ma part, il n'y a pas assez de boutons. Attendez, je vais en choper une. Voilà, donc vous avez 2, 4, 6, 6 boutons. 6 boutons sur la Wiimote et une croix directionnelle. C'est déjà très casse-gueule de venir et de vous dire vous allez jouer avec une vue à la troisième personne avec une croix directionnelle en 2010. Déjà, c'est soit c'est audacieux, soit c'est du suicide. Eh ben, c'est ni l'un ni l'autre en ce qui me concerne. Pour ma part, pour ce Metroid Other M, c'est ni l'un ni l'autre. En ce qui concerne le système de déplacement, par exemple. Beaucoup pestent dessus parce que la croix directionnelle n'a pas la même précision qu'un joystick. Et en cela, vous avez raison. Cependant, j'ai joué à des jeux qui étaient largement plus dégueulasses, et ce, avec un joystick, pour ce qui est de la prise en main et de la maniabilité du personnage. Samus Aran, honnêtement, elle se maîtrise bien. Elle se déplace très bien. Peut-être que pour vous, quand on arrive... En fait, c'est quand on arrive dans certaines arènes, dans ce Metroid Other M, à certains moments, le jeu se déroule dans un vaisseau, dans un immense vaisseau qui s'est appelé la... comment déjà ? Attendez, je vais essayer de retrouver le nom parce que je sais que c'est ridicule, c'est complètement ridicule. C'est la Space Bottle, je crois. Non, la Station Bouteille, voilà. What the fuck, la Station Bouteille.
putain de dieu, celui qui a sorti ce nom-là, c'est un champion. À lui, vous pouvez lui balancer une caillasse entre les deux yeux, hein. Ça, je m'en fous. Hein. La maison bouteille, enfin, la station bouteille, mais c'est pareil, oh putain. C'est des trucs qu'ils veulent recycler, c'est dans la poubelle jaune, rien à foutre. Ça n'a pas de sens, excusez-moi, je bois un coup. Mais, si vous voulez, le jeu se déroule entièrement dans cette station qui appartient à la Fédération Galactique. Et dans certaines zones de cette station, vous allez vous retrouver dans des immenses arènes. Le problème, c'est que pour ce qui est de la maniabilité et du level design, pour ma part, c'est maîtrisé et c'est plutôt bon. Cependant, pour ce qui est des environnements, par exemple, c'est casse-gueule. Vraiment casse-gueule. Parce que pour le coup, on est dans un vaisseau et tu sens vraiment que les développeurs, malgré le fait qu'ils aient décidé cette chose-là, autrement dit, on va faire une histoire, ça va se passer dans le vaisseau, uniquement dans le vaisseau, mais tu sens quand même que les développeurs voulaient respecter un minimum l'esprit Metroid. Ce que j'entends par là, c'est très simple. Quand tu vois, quand tu te rends compte, quand tu te rends compte tout simplement que t'es dans une station spatiale, mais que malgré ça, tu as un environnement de la forêt, un environnement du désert, un environnement de la glace, enfin de la glace, pardon, et un environnement de la lave. Voilà, moi je dois vous avouer, j'ai pas compris ça. Je me suis dit, Venis, qu'est-ce que de la lave fout dans ce vaisseau? Pourquoi est-ce qu'il... En fait, t'as voulu faire en sorte qu'on soit... Ah, je ne me souviens plus. Je me souviens plus du nom de la zone. Je crois que c'est Norfair, il me semble. Là où il y a toute la lave et tout ça dans les Metroid Prime. C'est ça, en fait. T'as voulu faire un vaisseau spatial, mais t'as en même temps voulu respecter le fanservice à 200%. Donc, du coup, tu nous mets une pseudo-zone Norfair ou une pseudo-zone Talon 4 dans le vaisseau spatial. Bon, what the fuck? Déjà, première chose, tu te dis, c'est pas logique. Et c'est pour ma part ce qui fait le point faible du jeu. C'est que j'ai l'impression que les développeurs, justement, ont voulu créer quelque chose d'unique, mais en même temps, ils ne voulaient pas... Ils ne voulaient pas énerver les fans. Ils ne voulaient pas les énerver. C'est vraiment la vision que j'ai de la chose. Bon, malheureusement, pour les gros fans, forcément, c'est devenu n'importe quoi. Les mecs, ils se sont dit, c'est honteux, c'est n'importe quoi. Donc, en ne voulant pas les décevoir, ils les ont totalement déçus. Ce pour plusieurs points. Déjà, comme je vous l'ai dit, le contrôle. Le contrôle à la Wiimote, l'espèce de petite hérésie, entre guillemets, je mets bien entre guillemets, hein. Mettez-vous ça dans un coin de la tête. Metroid Other M fonctionne de cette façon simple. Vous prenez la Wiimote, tout simplement, à l'horizontale. Vous avez la croix directionnelle à gauche, le bouton 1 et 2 à droite. Le bouton 2 sert à sauter, le bouton 1 sert à tirer. Et dans ce cas-là, à quoi servent tous les autres boutons ? Il me semble que le bouton A sert à la boule morphing, si jamais je ne fais pas d'erreur, etc., etc. Et après, vous apprendrez à utiliser tous les autres, tout l'armement de Samus au fur et à mesure de votre avancée dans le jeu. Cependant, justement, ils ont en même temps voulu faire un espèce de petit clin d'œil, j'ai l'impression, à Metroid Prime. Et je pense que c'est pour cela qu'ils voulaient instaurer la vue à la première personne. Et pour pouvoir passer de la vue à la troisième à la première personne, il suffit tout simplement de diriger le pointeur de la Wiimote vers la télé et Samus passera automatiquement en vue à la première personne. Ce qui en a énervé beaucoup, étant donné que le point noir des contrôles de la Wiimote, c'est le fait qu'on ne puisse pas se déplacer quand on est vu à la première personne. Tout simplement, on ne peut pas se déplacer et du coup, pour utiliser par exemple les missiles ou les super missiles, on se voit obligé de rester sur place. Chose qui, uniquement dite comme celle-là,
peu, j'ai envie de vous dire, fâché. Moi, personnellement, c'est vrai que ça m'a un petit peu agacé, le fait de rester à chaque fois... le fait de rester à chaque fois immobile pour balancer un missile, c'est chiant. C'est vraiment très chiant, et du coup, je ne comprends pas pourquoi... pourquoi la Team Ninja n'a pas tout simplement proposé une façon de switcher les styles de tir, que ce soit tir basique, le missile, etc., etc. Parce que au final, quand on regarde bien, si jamais on avait la possibilité de tirer les missiles à la troisième personne, ça n'aurait franchement rien changé, ça n'aurait vraiment rien changé, et qui plus est, ça aurait apporté un certain souffle au jeu. Parce que là, malheureusement, c'est vrai que les combats sont vachement rythmés, mais le problème, c'est que certains ennemis sont vulnérables uniquement avec le missile. Du coup, on se retrouve à chaque fois bloqué, et ça fait une cassure dans le combat. Et ça, par exemple, c'est quelque chose qui lui a été grandement reproché à Metroid Other M, son système de combat, entre guillemets, et surtout son système d'esquive, jugé comme étant beaucoup trop... casual, entre guillemets, parce qu'à chaque fois, c'est du casualisme total. Le fait que Samus puisse esquiver au dernier moment les missiles ou les tirs qui lui arrivent dessus, si jamais vous maintenez enfoncé la touche tir pendant que vous faites cette esquive, le rayon de puissance de Samus va se charger à fond directement et vous pourrez contre-attaquer de suite. Pareil, vous avez également la possibilité de sauter sur certains ennemis, ce qui parfois déclenchera une cinématique qui achèvera votre ennemi. Cinématiques qui sont plutôt assez stylées et franchement bien réalisées. Et d'ailleurs, ça, je trouve ça triste que personne n'en parle, c'est pour ce qui est de l'animation, et que ce soit de l'animation des ennemis ou l'animation de Samus Aran, qui est vraiment, vraiment excellente. Et je parle bien de l'animation. Elle est excellente. Franchement, je crois que c'est... Et surtout, le jeu est ultra fluide. Il est ultra fluide in-game. C'est... Ce jeu possède néanmoins un tout petit souci que moi j'ai avec certains jeux. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais... On a l'impression, concernant certains jeux, notamment par exemple, si vous voulez un exemple, vous prenez Metal Gear Solid 2, voire même Metal Gear Solid 3, je crois. Non, pas le 3, non. Mais Metal Gear Solid 2, on est à 60 FPS en in-game, et dès qu'il y a une cinématique, on se retrouve à 30 FPS. Du coup, on a une... Moi, de mon point de vue, j'ai une impression de ralentissement à chaque fois qu'il y a une cinématique dans ce style de jeu. Et je trouve ça, franchement, pas moche, mais ça pique les yeux. Franchement, ça pique les yeux. Et pour ce qui est des graphismes, bah moi je dois vous avouer que le jeu, m'a impressionné, mais bah il m'a impressionné parce qu'il est sur Wii en fait, tout simplement. Et je trouve que certaines personnes ne se rendent pas compte de savoir à quel point on est sur une console minable. On est sur la Wii. Et le fait, d'ailleurs, Metroid Other M fait partie des jeux dits à double couche. Apparemment, beaucoup de consoles Wii ont eu des problèmes pour lire ce jeu. Certains le faisaient une fois sur deux, certaines ne le faisaient pas du tout. Alors moi, je dois vous avouer que je dois vraiment avoir un bol de cocu, parce que je n'ai jamais eu aucun problème avec les CD double couche. Que ce soit Smash Bros. Brawl ou Metroid Other M. Moi, ma Wii, elle gobe tout. Non mais, j'ai jamais eu ces problèmes-là. Coucou le Dark, si tu vois cette vidéo, mais c'est vrai que c'est... J'arrive pas à comprendre comment autant de personnes ont eu des soucis... Et moi, j'en ai jamais eu de ce niveau-là. Et pourtant, à l'époque où j'ai acheté Metroid Other M, j'avais la première, les premières éditions, les Wii qui sont sortis fin 2007, quoi. Donc, fin 2007 ou fin 2006, je sais plus. Mais en tout cas, je l'ai chopé au mois de janvier, je crois. Mois de janvier de sa première année de lancement. Mais je veux dire, c'était quelque chose de fou, quoi. Tout le monde avait des soucis, moi j'étais là, non. Non, ça va. Comme je vous l'ai dit, elle gobe tout.
Elle gobe absolument tout, Maui, mais... du coup, le fait qu'ils aient utilisé cette technologie du double couche, entre guillemets, je sais pas si on peut vraiment dire une technologie, mais bon, cette technique, cette technique du CD double couche, cela permet un rendu parfois vraiment magnifique, surtout, non seulement dans les grandes arènes, mais également... également pendant les cinématiques, comme je vous l'ai dit, les cinématiques sont bluffantes pour de la Wii. Pour de la Wii, elles sont réellement bluffantes. Évidemment, quand tu regardes sur Xbox 360 et PS3, t'as certains jeux qui te donnent cette qualité-là, mais ce jeu est largement plus beau que, j'ai envie de te dire, la moitié des jeux 360. Il y a beaucoup de jeux qui sont beaucoup plus beaux que la Wii, que les jeux de la Wii, et notamment que Metroid Other M, mais franchement, la réalisation graphique, elle n'est pas hideuse. À certains moments, surtout quand on est dans des environnements forestiers, c'est vrai que les textures jurent un peu, ça bave beaucoup, ça se voit qu'on n'est pas en HD, tout simplement. Surtout que si jamais vous faites la connerie d'y jouer sur une télé LCD, là c'est même pas la peine, là ça va vous ruiner les yeux, mais la plupart du temps, les cinématiques sont magnifiques. Les cinématiques sont magnifiques, certaines textures sont jolies, l'aspect assez épuré, vraiment futuristique du vaisseau spatial est pour moi très bien réalisé, surtout quand on est dans ce style d'environnement, mais c'est en général quand la Team Ninja a voulu faire des environnements entre guillemets extérieurs, simulés à l'extérieur, c'est là en général que c'est le moins beau, paradoxalement. C'est là où c'est le moins beau, c'est là où les textures bavent et c'est là où les pixels ressortent, j'ai envie de te dire. Mais bon, pour ce qui est des graphismes, j'ai rien à dire, pour moi ce jeu est correct. Pour ma part, ce jeu est correct, il n'est pas immonde, il est vraiment correct. Samus Aran en plus a un très bon design. Le boulot qui a été fait sur son armure est excellentissime. Je dis, j'arrive pas. Peut-être les autres personnages qui nous accompagnent tout au long de l'histoire, c'est vrai que eux, ils font un petit peu... c'est des soldats d'un autre côté, donc c'est un peu normal qu'ils se ressemblent tous, mais ils font vraiment cheap, quoi. Quand tu regardes Samus Aran qui a une armure vraiment bien bossée, à tel point... que l'on voit par exemple les reflets de lumière sur son armure, c'est vraiment pas mal, mais à côté t'as les autres, on a l'impression qu'ils ont un espèce de métal mat, vous voyez, il y a aucune surbrillance sur leurs armures, c'est vraiment pas top, quoi. Donc c'est vrai que du coup ça te fait un certain contraste avec Samus, tout simplement. Mais bon, pour ce qui est des graphismes, moi je trouve le jeu correct. Pour ce qui est du gameplay, bon, le gameplay, je vais pas m'y attarder. Vous savez déjà, je vous ai expliqué comment se manie tout simplement Samus Aran, et de toute façon, vous pourrez le voir à la vidéo, ça va être expliqué, vu que je compte vous montrer uniquement le début du jeu, parce que, mine de rien, c'est le tutoriel, il n'y a rien de mieux pour vous apprendre comment y jouer. Chose que je ne comprends pas, pour ce qui est du tutoriel, c'est cette fâcheuse manie qu'ont les développeurs à faciliser le jeu, à le rendre plus facile. Notamment avec une commande. Si jamais vous prenez votre Wiimote et que vous la dressez, autrement dit que vous pointez le pointeur de la Wiimote vers le ciel, Samus Aran va se mettre à charger son canon et vous pourrez récupérer des missiles et de l'énergie si jamais vous êtes... vraiment dans un état très critique. Pourquoi? Franchement, pourquoi? Ça, c'est vraiment une question que je me pose. J'arrive pas à comprendre cette... hormis casser l'intérêt des combats et casser le challenge, pourquoi avoir fait cela? Ça, je trouve que c'est vraiment un point noir. Mais globalement, le jeu n'est pas réellement difficile. Le jeu n'a clairement pas... le challenge d'un Super Metroid ou d'un Metroid. Et ne parlez pas de Metroid Prime, s'il vous plaît. Parce que... je vais vous le dire direct, je trouve que ce qu'on reproche
à Metroid Other M, on peut reprocher la même chose pour Metroid Prime. Comme par exemple, pour la casualité et la facilité du jeu. Alors si vous vous galérez sur Metroid Prime pour ce qui est du challenge des combats, loulilol. Loulilol. Les Metroid Prime n'ont jamais été réputés comme étant des jeux vraiment durs. Il y a, hormis les combats de boss qui sont vraiment, qui sont plutôt difficiles, il y a que cela. Metroid Prime, c'est avant tout un jeu d'exploration, action, aventure. Donc, les combats ne sont clairement pas les parties les plus difficiles du jeu. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi. On dit Metroid Other M, c'est trop facile, mais Metroid Prime aussi, les gars. Et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Pour moi, Metroid Prime, ça fait partie des meilleurs jeux qui ont existé. C'est pour vous dire à tel point j'ai une certaine estime pour cette série-là. Mais il y a ça, et il y a d'autres choses après. Il y a d'autres choses. Donc voilà, pour ce qui est du gameplay, pour ma part, la prise en main est bonne. Ils ont été peut-être un petit peu... ils ont eu les yeux plus gros que le ventre, ils ont voulu révolutionner quelque chose. Parce que faut quand même se dire que le fait de mélanger à la fois les vues dites 2D et les vues 3D, c'est presque, j'allais dire avant-gardiste, mais ça veut peut-être rien dire dans le contexte. Mais franchement, c'est osé. C'est vraiment osé, et de mon point de vue, alors là je dis de mon point de vue, c'est à féliciter, ne serait-ce que pour l'essai. Parce que ils ont peut-être pas réussi le truc parfait, mais par contre, ce qu'ils ont réussi, c'est un prototype. C'est vraiment un prototype. Ce que la Team Ninja a tenté, c'est quelque chose de vachement intéressant. Et surtout, pour ma part, c'est quelque chose à faire dans les prochains Metroid Prime. Permettre la vue à la deuxième personne, à la troisième personne, et la vue à la première personne, pour ma part, ça c'est quelque chose à mettre dans les futurs Metroid Prime. Et c'est quelque chose qui malheureusement n'est pas venu à l'esprit de tout le monde. En général, pour les fans, Metroid, c'est soit les épisodes 2D, soit les épisodes 3D. Là-dessus, tu as la Team Ninja qui arrive, qui voulait absolument faire un jeu Metroid. Nintendo leur donne l'autorisation. Déjà, petite... attendez, excusez, je vais me rapprocher parce que je vais vous dire un tout petit truc. Un tout petit truc. Messieurs les fans, attention, c'est à vous que je parle, messieurs les fans. Honnêtement, la série Metroid, elle a été faite par Nintendo et par Retro Studio. Là-dessus, Metroid Other M arrive, c'est la Team Ninja qui s'en occupe. Hein, c'est la Team Ninja qui s'en occupe. Veuillez vous renseigner, s'il vous plaît. Qu'a fait la Team Ninja? Qu'est-ce qu'elle a fait comme jeu? Qu'est-ce qu'elle a fait la Team Ninja? Putain, c'est dur à dire ça, hein. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, la Team Ninja, elle est responsable notamment de la série Ninja Gaiden et également Dead or Alive. La série Ninja Gaiden est celle qui va le plus nous intéresser pour l'instant. Je ne parle pas d'Hyrule Warriors, hein, bien sûr, mais ça on s'en fout complètement. Mais elle a fait les Ninja Gaiden. Donc honnêtement, est-ce que vous vous attendez réellement à un Metroid Prime-like quand, à partir du moment où vous saviez que la Team Ninja allait bosser sur le sujet, vous attendez réellement à un Metroid Prime-like? Non mais sans déconner, vous y attendez vraiment? Si jamais vous y attendez, c'est que franchement, vous êtes en pleine nébuleuse et qu'il est temps de vous réveiller. Mais... bon, j'arrête là. Mais franchement, c'est vrai. Je suis désolé, franchement, faut être naïf. Faut être naïf pour avoir espéré un excellent Metroid 2D ou un excellent Metroid Prime-like, faut vraiment être naïf. Moi, à partir du moment où Metroid Other M a été annoncé, excusez-moi, mais moi j'ai regardé les développeurs, Team Ninja, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ninja Gaiden, oh my fucking god, ça va changer. Ça va vraiment changer. Moi, c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit, quoi. Je m'attendais pas à un Metroid digne de Metroid Prime ou des anciens Metroid. Mais cependant, messieurs les gros fanboys, sachez que la Team Ninja a osé quelque chose, a tenté
quelque chose. Le fait de mélanger à la fois la vue 2D et la vue 3D. La vue troisième personne et la vue première personne. Chose qu'en général on voit par exemple dans les Elder Scrolls. Et dans les Elder Scrolls ça fonctionne très bien. Vous allez me dire c'est pas du tout la même construction de jeu. Oui, mais ça peut être quelque chose de très intéressant à utiliser dans la saga Metroid. Et ça pour ma part, ça aurait pu être une excellente idée. Au final, qu'est-ce qui manque pour que le gameplay, pour ma part, soit impeccable? Qu'est-ce qui manque? Eh bien, il manque tout simplement le fait de pouvoir se déplacer à la première personne. Si jamais, entre guillemets, la console et la Team Ninja avaient été un petit peu plus... si jamais ils avaient prévu quelque chose de plus grand avec ce Metroid Other M, ils auraient très bien pu nous donner la possibilité non seulement de nous déplacer quand on est à la vue à la première personne, mais également le fait de nous déplacer non pas uniquement pendant les combats, mais également quand on se déplace normalement. Permettre l'exploration à la première personne comme à la troisième personne. Et pour ma part, le fait d'avoir tenté quelque chose comme ça avec un système aussi, entre guillemets, primitif pour ce qui est du nombre de boutons sur la Wiimote que la Wii, eh ben, je suis désolé, mais... Bravo. Vous avez peut-être pas fait le résultat excellentissime, vous avez peut-être pas fait un résultat magnifique, messieurs de la Team Ninja, mais vous avez tenté quelque chose. Vous avez tenté quelque chose, et j'ai limite envie de vous dire, vous avez même montré la voie sur ce que pourrait être le futur de la série Metroid. Et rien que pour ça, je vous félicite. Mais sinon, votre jeu n'est pas dénué de tout défaut, il ne faut quand même pas déconner. Non mais vraiment, le Metroid Other M a quand même de très très grosses lacunes. De très très grosses lacunes, mais je vais me permettre, et là maintenant, je pense que je vais me stopper là pour ce qui est de mon ressenti sur le jeu. J'ai pas vraiment envie de vous parler de l'histoire pour l'instant, parce qu'on va y revenir après. Mais pour ma part, Metroid Other M, si jamais il sortait cette année et que je devais le noter, je lui donnerais la note de 14, 14-15. Parce que pour moi, ce jeu, il le mérite. Il y a de grosses erreurs qui font que pour moi, ce n'est pas un excellent jeu, ni même un très bon jeu, mais c'est un bon jeu. Je suis désolé. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et là, on va se fâcher avec absolument tous les gros fanboys de la saga Metroid, ceux qui sont déjà en train de m'insulter mentalement, en train de me dire « Mais il dit de la merde, il fait n'importe quoi, ta gueule !» Et juste, laisse-moi t'expliquer pourquoi je pense que certaines critiques à l'encontre de ce Metroid Other M parfois n'ont ni queue ni tête, parfois sont over-abusées, et parfois sont totalement à côté de la plaque. Je finis mon café et on attaque. Bien. Alors, quelles sont les choses qui sont le plus souvent reprochées à ce Metroid Other M? Première chose, l'histoire et plus précisément le background de Samus Aran. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui vous fait monter sur vos grands chevaux quand vous voyez le background de Samus Aran. Honnêtement, je ne sais pas ce que vous vous êtes imaginé. Vraiment, je ne sais pas ce que vous vous êtes imaginé quand on vous a parlé du passé, comme quoi le passé de Samus Aran allait être raconté dans ce jeu. Soi-disant pour vous, ça aurait dû être, quand je dis vous, hein, bien sûr, ceux qui se sentiront concernés se reconnaîtront. Mais pour vous, Samus Aran aurait dû être une femme forte, elle aurait dû être badass, elle aurait vraiment pu... pour vous, toutes les personnes sont comme ça. Est-ce que vous le connaissez réellement, le passé de Samus Aran? Samus Aran est orpheline et a été récupérée par l'armée.
C'est pas ce qu'il a raconté dans ce jeu ? Samus Aran, en plus d'avoir été récupéré par l'armée, a été « éduqué » entre guillemets par un de ses mentors, qui est justement le Adam Malkovich. C'est pas ce qu'il a raconté ? Samus Aran s'est forgé son caractère froid, son courage. Elle a forgé sa personnalité après le fait d'avoir définitivement quitté la Fédération Galactique et n'avoir aucune attache, aucun lien. Quand vous regardez les Super Metroid ou Metroid Prime, Samus Aran n'est qu'une chasseuse de prime, point. Elle ne bosse pas pour la Fédération Galactique, elle n'a quasiment aucune connaissance personnelle, et je dis bien personnelle, dans la Fédération Galactique. Je veux dire, en quoi l'histoire est ratée ? En quoi l'histoire est ratée ? Je suis désolé, moi j'ai adoré suivre cette histoire. Adoré de voir comment est-ce que Samus Aran s'est justement forgée, s'est justement faite. Comment est-ce qu'elle est devenue la Samus Aran que l'on connaît ? Une dernière précision. Pour vous, et pour beaucoup, Samus Aran n'aurait pas dû parler. Et que le fait qu'elle parle gâche complètement le personnage. Alors je vais vous apprendre à discerner deux choses différentes. Déjà, il va falloir, bande de petits génies, il va falloir que vous puissiez m'expliquer comment est-ce que tu veux raconter l'histoire de quelqu'un sans faire parler le personnage principal. Comment est-ce que pour toi, tu justifies que absolument toutes les personnes, tous les PNJ parle depuis Metroid Prime 3, corruption, voire même avant, mais sans dialogue audio, voire même ça parle depuis Super Metroid, et dans un univers où tout le monde désormais parle de façon audible, je veux dire, si vous avez joué à Metroid Prime 3, corruption, vous avez tout simplement pu voir les PNJ de la Fédération Galactique parler. Et personnellement, ça ne m'a pas choqué. Au contraire, j'ai trouvé que ça rajoutait beaucoup plus de vie au jeu. Mais pour vous, Samus Aran, dans un monde pareil, dans un univers pareil, avec un background pareil, ça aurait dû être une muette. Elle n'aurait pas à nous dire ce qu'elle ressent au moment présent. Pour vous, elle aurait dû fermer sa gueule. J'ai envie de vous dire bravo, bravo, vous avez une façon d'écrire la mentalité d'un personnage qui est génial. Génial. Pour un personnage aussi mystérieux, entre guillemets, que Samus Aran, les mecs qui nous disent, alors on va vous faire un jeu qui va vous raconter le background de Samus Aran, supervisé par Nintendo, donc ils n'ont raconté aucune connerie. Et pour vous, elle aurait dû être muette. Dans un monde où tout le monde parle, elle aurait dû être muette. Le jeu où on nous montre comment elle s'est forgée son caractère, quel genre d'épreuve elle a dû subir pour pouvoir devenir la Samus Aran qu'on connaît, pour vous, elle aurait dû être muette. Putain, mais... J'ai envie de faire comme le chef, quoi. Comme le chef Otaku pour Sakura, quoi. Bravo ! Ça, c'est un personnage qui évolue ! Putain de merde ! Bravo ! Bravo ! Essayez d'apporter un minimum d'attachement au personnage quand il est muet. Vraiment, magnifique idée. Je veux dire, ceux qui, comme moi, dans par exemple The Legend of Zelda Twilight Princess, ont surkiffé Midona, pour sa personnalité, pour sa force de caractère, vous pensez que si jamais elle avait été muette, si jamais elle n'avait pas une personnalité retranscrite dans des dialogues, vous pensez vraiment qu'on aurait eu un quelconque attachement pour ce personnage ? Non, on s'en foutrait !
On s'en foutrait totalement. Et là, je vais vous apprendre à discerner une chose, parce que mine de rien, vous avez à moitié raison. À moitié raison. Vous avez tort, de mon point de vue, hein, enfin, vous avez tort. Disons que je ne suis pas d'accord avec vous. Voilà, c'est plus humble, dit comme ça. Je ne suis pas d'accord avec vous sur le fait que l'histoire est mal respectée ou que Samus Aran n'aurait pas dû parler. Pour moi, c'est des conneries. Par contre, il y a une chose qui, mine de rien, est très mal faite, et ceci est l'écriture. L'écriture, le script. Celui-là, en revanche, est mauvais. Et ça, c'est ce qui fait la différence. Le passé en soi de Samus Aran est respecté et n'est pas ridicule au possible. Au contraire, c'était bien amené, la mise en scène était vraiment bonne. Surtout la rencontre, par exemple, avec Ridley. C'est-à-dire la rencontre avec Ridley, c'est... Franchement, quoi. Non seulement le combat, il est épique, mais en plus... On a vraiment de l'affection pour Samus Aran. Sauf vous, parce qu'apparemment, quelqu'un qui parle pour dire ce qu'elle ressent, c'est honteux. Ah bah bon, ah bah bravo. C'est-à-dire bravo. Mais... Non, mais par contre, là où je vous rejoins, c'est que le script est mauvais. Il y a un problème de script, il y a un problème d'écriture. C'est tourné de façon trop niaise pour que l'on puisse s'attacher à Samus Aran. Non pas dans ses discours, dans ses monologues, même si, si, en grande partie dans ses monologues. D'ailleurs, je comprends pas ceux qui reprochent à Samus Aran le fait d'appeler la larve Metroid qui l'a aidé dans Super Metroid, le bébé. Les gars, c'est un bébé. C'est un bébé. Ceux qui ne comprennent pas pourquoi Samus Aran... c'est attaché à cette larve Metroid. C'est expliqué dans le scénario, les gars. Une Metroid se lie avec une personne. Elle peut se lier avec une personne. C'est peut-être une créature horrible, mais elle peut se lier avec une personne. Et c'est ce qui s'est passé pour Super Metroid. De ce fait, Samus Aran était liée à cette Metroid. Ou à ce Metroid. C'est ou ce? Oh putain, je sais pas, on va dire 7, ou 1, ou ce, je sais pas, bon on va dire ce, voilà, ce Metroid, mais je veux dire, ça a été expliqué, et puis les gars, c'était une larve, donc c'était un bébé, n'oubliez pas qu'on parle d'une Samus Aran qui commence à grandir, elle est très jeune. Elle n'a pas une psychologie de femme forte à la Tomb Raider encore. Elle est encore naïve. Naïve, fragile. C'est pour ma part ce qui a justifié son attachement à la larve Metroid. Enfin, je veux dire, c'est... moi je l'ai vu de cette façon-là. Après, si vous ne l'avez pas vu de cette façon, bah, j'ai envie de vous dire tant pis, c'est peut-être à cause de ça que vous avez détesté l'histoire. Moi, c'est pas l'histoire que j'ai détestée, personnellement, c'est le script. Je trouve que c'est très mal raconté et surtout très mal placé dans la chronologie Metroid. Parce que, petite piqûre de rappel, vous avez vu la cinématique au tout début de cette vidéo, ce jeu, Metroid Other M, se déroule juste après Super Metroid, juste après les événements de Super Metroid. Donc, il y a des choses qui ne collent pas. Il y a des choses qui ne collent pas. Super Metroid lui-même se déroulant après les événements de Metroid 2 qui lui se déroule après les événements de Metroid 1. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit problème de chronologie dans tout ça? Je pense qu'il y a un petit problème de chronologie dans tout ça pour ma part. Et c'est ce qui fait que malheureusement tous les événements en général sont foirés quand on a un minimum de connaissances de la série Metroid. Mais non pas pour l'histoire qui est racontée, non pas pour Samus Aran qui est décrite telle qu'elle est décrite dans ce jeu, mais bien pour un problème de placement, placement dans la chronologie des jeux Metroid, et également un problème d'écriture. Un problème d'écriture qui amène une autre critique que je comprends à moitié, qui est le fait
que donc Adam Malkovich nous interdise d'utiliser l'armement de Samus Aran. Cette interdiction est uniquement là, faut pas se le cacher, est uniquement là pour pouvoir respecter une des mécaniques des Metroid, que ce soit Super Metroid ou Metroid Prime. Là en l'occurrence c'est surtout Metroid Prime, je m'expliquerai un petit peu après. C'est pour respecter cette mécanisme, ce mécanisme de la progression par le gameplay. A savoir, plus vous avancez dans le jeu, plus vous allez récupérer de l'arsenal, plus vous allez récupérer des armes différentes, que ce soit des types de missiles, des types de rayons, les boules morphing, les super bombes, etc., etc. Ça, c'est la grande marque de fabrique de la série des Metroid, c'est la progression par le gameplay. Et là, ça a été transformé à cause justement du scénario et de l'écriture qui a été mauvaise. Ça a été transformé d'une progression par le gameplay, ça a été remplacé par une progression scénaristique. Autrement dit, c'est maintenant une banale autorisation, c'est-à-dire ce n'est pas comme dans Metroid Prime où il va falloir chercher absolument partout pour pouvoir récupérer les upgrades que possédait Samus Aran. Non, là maintenant, il va vraiment falloir attendre l'autorisation de l'autre connard de Ruskov pour pouvoir utiliser notre arsenal. Ce qui est ridicule. Voilà. Ça, j'ai rien d'autre à dire. C'est ridicule. C'est ridicule, ça n'a pas de sens. Cependant, je trouve encore une fois qu'on est méchant avec ça. Parce que dans les Super Metroid, autrement dit dans les Metroid 2D, ce n'est pas réellement une progression scriptée et scénarisée. C'est vraiment vous qui choisissez, non pas pour tout, mais pour la plupart des upgrades à choper, c'est vous qui choisissez quel type d'upgrade vous voulez obtenir à ce moment-là, à certains moments de votre histoire. Là, ce n'est plus le cas. Là, c'est vraiment, vous attendez une autorisation, et c'est vraiment ça qui force le ridicule. Mais, les gens, veuillez s'il vous plaît, hein, franchement, veuillez s'il vous plaît regarder la façon de procéder de Metroid Prime. Vous allez me dire que c'est pas scénaristique la progression ? Honnêtement, est-ce que dans les Metroid Prime, c'est comme dans Super Metroid ou dans les Metroid, par exemple, de la Game Boy ou de la NES, est-ce que c'est une progression qui se fait via notre bon vouloir ? Est-ce que l'on va pouvoir obtenir n'importe quel upgrade dans l'ordre que l'on veut ? Comme à peu près tous les upgrades qu'il y a dans Super Metroid, les Metroid 2D. Non ! Dans Metroid Prime, ce n'est pas expliqué parce que, évidemment, il n'y a pas ces dialogues, il n'y a pas les cinématiques. Mais dans Metroid Prime, dans Metroid Prime 2, dans Metroid Prime 3, c'est scénaristique. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas de cinématique pour te le dire. Mais tu vas choper les upgrades dans le même ordre. Il y a peut-être une ou deux upgrades qui ne nécessiteront pas le fait d'être obtenus immédiatement. Ça, c'est uniquement dû à l'excellent travail de Retro Studio qui a voulu révolutionner le style de la série tout en gardant les racines de cette dernière. Mais dans Metroid Prime aussi, c'est scénarisé. Tu ne peux pas obtenir absolument toutes les upgrades dans l'ordre que tu veux. C'est exactement la même chose. Sauf que là, c'est encore plus ridicule, parce qu'on te dit « Tu n'as pas le droit d'utiliser ça !»« Mais je suis en train de crever, enculé !»« Tu n'as pas le droit !» C'est ridicule, c'est clair. Mais pour moi, ce n'est pas un point noir. Pour moi, ce n'est pas un point noir. C'est, encore une fois, un problème d'écriture. Un problème d'écriture et un problème de scénario. Il n'avait pas le choix. Vous allez me dire que c'est...
Enfin, je veux dire, elle ne perd aucun équipement, elle a déjà tous ses équipements sur elle. Vous allez me dire que ça aurait été plus logique de trouver comme ça, dans un vaisseau spatial de la Fédération Galactique, les upgrades qu'elle aurait pu avoir. Alors, si jamais le jeu n'avait pas été complètement bancal, scénaristiquement parlant et chronologiquement parlant, si jamais ça avait été clair que le jeu se déroulait avant Metroid Prime, ce qu'il fait, mais en même temps ce qu'il foire, parce qu'il y a certains événements qui n'ont aucun sens, notamment la confrontation avec Ridley. Samus Aran croit qu'elle a buté Ridley, sauf que, et s'il vous plaît, Samus Aran l'a déjà buté 3 fois, avant de tout simplement le rencontrer encore une fois. Donc je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'elle a été choquée. Parce que, chronologiquement parlant, cela ne marche pas. Donc là, pour le coup, je dis... Elle a déjà tout! Elle a déjà tout! Pour ma part, cela n'aurait pas été plus logique de trouver les upgrades dans le vaisseau spatial de la Fédération Galactique à l'abandon. Donc je veux dire... Voilà, ça aurait été pas plus logique. Cependant, je tiens quand même à admettre, ça aurait été beaucoup moins ridicule. Ça, c'est... Voilà. Ça aurait quand même été beaucoup moins ridicule. Sinon, une chose que je tiens quand même à préciser pour ce qui est de la bande-son. La bande-son n'est pas nécessairement mauvaise, elle n'est pas nécessairement bonne non plus. Cependant, je trouve qu'elle... malheureusement, qu'elle manque d'identité. Voilà, elle manque d'identité, elle casse complètement avec l'ambiance d'un Metroid Prime, avec l'ambiance d'un Super Metroid. Il n'y a pas de thème très... comment dire... Mais il n'y a pas de thème très connu dans ce Metroid Other M. Comme par exemple le fait à chaque fois d'obtenir un objet. C'est... Enfin, je veux dire, ce petit jingle n'existe pas dans Metroid Other M. Donc là, what the fuck, qu'est-ce que vous avez fait, Team Ninja? Là, c'est un petit carton jaune, là. Là, c'est un avertissement, c'est obligatoire. C'est comme si Zelda, tu enlevais... Bon, je vais pas le marmonner parce que ça m'emmerde. Mais c'est comme si dans Zelda, tu enlevais le... Tu enlevais le jingle connu. Je veux dire, c'est... C'est comme si dans Mario, tu enlevais le... Tling. Enfin, je veux dire, c'est... Enfin, voilà, quoi. Je veux dire, ça, c'est quelque chose qu'il ne fallait pas enlever. Et malgré cela, il y a quand même une grosse dose de fanservice. Pour le bestiaire, pour les environnements à certains moments, pour les boss également, pour la façon de battre les boss également, le fan service est présent. Et je pense que c'est là-dessus que l'on va s'arrêter, parce que ça fait bientôt une heure et je commence à plus avoir de voix. Et ce n'est pas un jeu qui mérite une review de 2 heures. Mais comme je vous l'ai dit au tout début, la Team Ninja n'a peut-être pas fait le meilleur Metroid qui existe. De mon point de vue, comme je vous l'ai dit, ce Metroid est clairement pas dans le top 5 des meilleurs Metroid. Cependant, il n'est pas mauvais pour autant. Dire qu'on n'a pas trop apprécié, je veux bien le comprendre. Dire qu'on n'a pas aimé du tout, je veux bien le comprendre. Mais dire que c'est une merde... Putain non les gars, non. Juste non. Ça c'est n'importe quoi. C'est comme si moi par exemple... vous savez, moi j'ai joué à Dark Souls il y a de cela quelques semaines. Je l'ai arrêté parce que malheureusement, je n'y arrive plus, je n'ai plus le courage de continuer. Mais c'est comme si moi je te disais, parce que je n'ai plus eu le courage de le continuer, que Dark Souls était une merde. Juste parce que c'est un style de jeu qui ne me plaît pas. C'est comme si moi je te disais que les Silent Hill étaient des jeux de merde. Parce que c'est un style de jeu qui ne me plaît pas. Je veux dire, faut aller plus loin que ça. Faut aller plus loin que ça. Faut voir réellement ce que le développeur a à te proposer. Et vraiment, ce Metroid Other M, ce que les développeurs vous proposent, c'est du très bon. Enfin, c'est pas du très bon, non. C'est pas ça que je veux dire. Mais c'est déjà, comme je vous l'ai dit, pour ce qui est du style de gameplay, c'est pour ma part... une certaine avancée, et ça montre le chemin vers lequel doit se diriger la série Metroid, pour ma part. Hein. L'alliance vue FPS, vue troisième personne, pour ma part, ça doit être le bout du chemin de cette série Metroid.
ça doit être le bout du chemin. On est en 2015 maintenant, ce n'est plus du soit 2D, soit 3D. Enfin, soit 2D, soit FPS. Je veux dire, on a passé ça. Ça, on a passé. Et j'aimerais qu'on voie ce cap franchi. J'aimerais que dans la série des Metroid, qui est si particulière et si unique, j'aimerais que l'on puisse enfin ajouter cette chose-là. Parce que moi, c'est... moi, je peux tout... Ça me fait fantasmer, moi, ces conneries-là. En plus, avec la Wii U et le Gamepad, genre, troisième personne à la télé, première personne à l'écran, tu peux switcher les deux écrans et continuer à jouer, enfin, je... Waouh ! Ça donne des possibilités de fou ! Et c'est, mine de rien, le jeu de la Team Ninja qui m'a donné envie. Alors, je n'attends pas un Metroid Other M 2, parce que, encore une fois, pour ma part, c'est plus un beat'em all qu'un jeu d'exploration. Et ça, c'est le gameplay Team Ninja oblige. Mais putain, ils ont quand même essayé quelque chose. Ils ont essayé quelque chose. Et on doit, je trouve, les féliciter ne serait-ce que pour avoir essayé. Après, encore une fois, c'est pas parfait. Pour ma part, la bande-son, là je vais quand même essayer de vous faire une certaine synthèse des points positifs déjà. Des points positifs que j'ai relevé pour ce Metroid Other M. Je donne un pet dans le micro. En premier lieu, l'histoire de Samus Aran. Mal racontée, mais bien mise en scène. La mise en scène est très bonne. Elle est vraiment très bonne. Graphiquement, les cinématiques sont très bonnes. En général, quand on est dans le vaisseau spatial, c'est très beau. C'est très beau, quoi, je veux dire. En même temps, c'est assez... C'est assez lisse, vous voyez, c'est un style qui est propre au style futuristique, mais c'est vraiment très bien respecté et très bien réalisé pour ma part. Donc graphiquement c'est correct, et les cinématiques en images de synthèse sont juste magnifiques pour de la Wii. Je vous rappelle qu'on est sur Wii. Le gameplay est plutôt bon, ils ont tenté quelque chose avec ça. Ils n'ont pas réussi à faire le gameplay parfait, mais ils n'ont pas foiré le gameplay. Moi, à partir du moment où j'arrive à prendre en main le jeu et à ne pas crever à cause du gameplay, bah pour ma part, le gameplay n'est pas foiré. Il est peut-être perfectible. Je sais pas si ça se dit, ça. Ça se dit, ça? Attendez, je vais... Améliorable? Voilà, on va dire ça. Il est peut-être améliorable, grandement améliorable, mais il n'est pas pourri pour autant. On arrive à y jouer, à ce putain de jeu. En plus, avec les sauts muraux, le saut vrille et tout ça, je veux dire non. Et surtout, le dernier point positif, le respect de la série. Le respect de la série. Énormément de fanservice dans ce jeu. Il y a même un boss, je crois, qui est présent uniquement dans les Metroid Game Boy. Le tout dernier boss de fin, je crois qu'il est présent dans Metroid 2. Je fais peut-être une connerie en disant ça, je m'en souviens plus trop, mais je crois qu'il est présent dans Metroid 2, le boss final. Mais le boss vraiment, vraiment final. Je veux dire, il y a cela, le combat est épique avec Ridley, toujours présent, évidemment. On se demande un petit peu ce qu'il faut ici, mais il est là, quoi. C'est du fanservice. Fanservice total, pour le bestiaire également. Pour le bestiaire également. Les combats sont rythmés. Le système de combat est peut-être facile, mais les combats sont rythmés. Sont vraiment rythmés. Mais par contre, bien sûr, il y a évidemment tous les points noirs. Les points noirs de ce Metroid Other M. À savoir l'écriture, le travail d'écriture. Comme je vous l'ai dit, l'histoire est plutôt bien mise en scène, mais très mal racontée, très mal écrite. Malheureusement. Un level design un petit peu what the fuck, quoi, comme je vous l'ai dit, on est dans un vaisseau spatial, mais on a la zone Norfair, on a la zone Talon 4, on a la zone désert, enfin, je veux dire, comment il s'appelle déjà, je me souviens plus comment il s'appelle, on aurait limite un Chozo dans le vaisseau spatial, tu te dis, hein, bon, tu sens que les mecs ont voulu vraiment respecter le matériel d'origine, mais à trop vouloir le respecter, malheureusement, ils sont partis un petit peu dans le n'importe quoi. Ce qui nous donne un level design vraiment hasardeux. Une direction artistique sans aucune patte, malheureusement. Et ça à cause des environnements du level design.
L'ambiance est plutôt bonne, mais n'a strictement aucune identité et perd même l'identité de la saga Metroid, ce qui est vraiment très... Le plus gros point noir. Ce jeu, c'est du Metroid, mais ce n'est pas Metroid dans le point le plus important et le plus gigantesque de toute la série Metroid, son ambiance. Et un Metroid qui n'a rien de Metroid dans son ambiance, eh ben forcément, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Et c'est un gros carton jaune pour vous, messieurs de la Team Ninja. Mais mine de rien, je tiens quand même à féliciter le travail qui a été fait. Je veux dire, ils ont tenté quelque chose. Moi, au final, Metroid Other M, maintenant, je le vois plus comme un espèce de spin-off qu'un véritable jeu à part entière. Et moi, de mon point de vue, eh ben, ce n'est pas réussi, mais ce n'est pas foiré. C'est un travail correct. Et je trouve qu'on devrait quand même être moins méchant avec ce Metroid Other M, parce que ce n'est clairement pas du gros foutage de gueule comme on peut en voir un petit peu partout à côté. Prenez par exemple, si jamais, voilà, je vais péter mon câble là-dessus, excusez-moi, il faut que je me calme. Alors attention, alors, il faut que je tape le front, bien le front, hein, parce que la dernière fois je me suis pété le nez, ça m'a défoncé, alors attention. Ah, ça va mieux. Donc, je supporte pas de voir tout simplement ce Metroid Other M se faire pourrir la gueule à 2000% quand on voit les autres grosses merdes qu'il y a à côté, notamment pour ce qui est du respect du matériel d'origine. Vous comparez Metroid Other M et 007 Legends, je peux vous dire, Metroid Other M, c'est un chef-d'œuvre à côté. Donc je veux bien être d'accord qu'on puisse dire que le style de jeu est différent, que ça ne vous plaît pas, que vous n'avez pas aimé, je veux bien le comprendre. Mais dire que c'est une merde, c'est tout simplement dégueulasse, mensonger et irrespectueux au vu de la passion de Team Ninja, au vu de leur envie de respecter le matériel d'origine et au vu de leur envie de vouloir combler tous les joueurs. Même si malheureusement, ils n'ont pas réussi à faire un bon résultat. Je vous dis ciao à tous, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était 69 Zelos, et bonne partie tout le monde. Ciao, bye bye. Et s'il vous plaît, messieurs de Retro Studio, ce serait bien de voir arriver un petit Metroid Prime 4. Moi, ouais, ce serait pas mal ça. J'ai envie de le voir à l'E3. Bonne partie tout le monde.